Alors, je vous annonce que j'ai loupé mon rendez-vous de mon infirmière ce matin. Mon interphone ne marchait pas. Mon responsable de secteur de Nièvre Habitat est venu me le réparer, là, il y a 1 heure. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui de ma routine teint du matin que j'effectue tous les matins. Alors, je lave ma peau à l'Estée Lauder, la crème lavante et masque. Je vais vous la chercher. Donc, Estée Lauder Perfect Click Clean, multi-action, mousse nettoyante, multi-action, masque purifiant, tout type de peau, idéal pour les peaux normales à mix. Alors, utilisez matin et soir, massez doucement sur peau humide, puis rincez. Utilisez 2 fois par semaine ou autant que souhaité en tant que masque purifiant, massez sur peau sèche. Attendre 3 minutes pour rincer. Dermatologiquement et ophtalmologiquement testé. Évitez le contour des yeux. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai, c'est vraiment économique ça. Et c'est parfait pour nettoyer la peau. Moi j'utilise ça et mon fond de teint qui est devant dit est parti parfaitement avec ce nettoyant. Ensuite, je fais un double nettoyage avec mon tonique à la rose de chez Action. Ensuite, je vaporise mon eau de rose de chez Action. Ça sent super bon. Pour crème de jour, et pour la crème de jour, j'utilise la crème anti-rides comblante à l'acide hyaluronique pur et au flavoïde de Galanga Bio du docteur Pierre Rico, matin et soir. En contour des yeux, j'utilise la fleur de sureau gel contour des yeux sans parfum de The Body Shop. Et puis, je fais tous les 3 jours mon teint tout bro Easy Peel Off Tint en teinte. Alors, il n'y a pas la teinte. Oh, c'est marron foncé de chez GME Maybelline. Ça se présente comme ça. Donc, je l'ai fait ce matin. Donc, vous voyez, ça le fait bien. Hein? Et ça dure, ça tient 3 jours. Et tous les soirs et tous les matins, je mets le sérum sublimateur de cils et de sourcils de Airbust. Mode d'emploi, assurez-vous que la zone est propre et sèche, puis appliquez le sérum sous les sourcils et les cils avec la brosse tous les soirs. Oh, des fois, je le fais le matin, moi. Et avec ça, j'ai des super cils. Ah. Voilà. Ouais, donc je disais que j'ai loupé mon rendez-vous de l'infirmière. Et là, j'essaye de la joindre pour lui dire qu'elle sonne bien à l'appartement 37. Mais son numéro de téléphone atterrit chez une dame qui habite la Marne. Alors, la dame, depuis 1 heure, elle est embêtée par les clients par les patients de mon infirmière. Je ne sais pas ce qui se passe avec son téléphone. Enfin, elle vient vendredi matin. J'ai des cernes, mais je suis réveillée depuis qu'à 5 heures ce matin. Mon petit bouton là commence à disparaître. Là aussi, j'ai encore des marques d'acné. Mais quand je mets du fond de teint, ça ne se voit pas. Voilà. Que me dit ma montre? Objectif atteint. Quelle atteinte? Ah, j'ai brûlé mon nombre de calories de la journée. Ah, bah c'est bon. Je vais pas grossir.
Ça m'aide bien cette petite montre. Bon, et ben, je vous fais des bisous. J'ai pas dépassé mon quota de 10 cigarettes encore, je suis contente. J'ai bu plus de café que prévu, mais ça, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Miquette Roupie, ah, au fait, elle adore sa brosse que j'ai reçue dimanche. Elle me demande toutes les 5 minutes à être brossée et elle a presque plus de poils d'hiver. Ce matin, elle m'a réveillée parce qu'elle voulait être brossée. Et j'étais pas contente d'ailleurs, j'aurais aimé dormir jusqu'à 8 heures au moins. Et elle m'a réveillée, la méchante. Bon, ben, les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!